Chers collègues, aujourd'hui c'est la journée de l'Europe et c'est le jour qu'ont choisi des travailleurs de plateforme de toute l'Europe pour interpeller d'une voix commune les ministres du Travail européens. Ces travailleurs attendent la directive qui obligera leurs employeurs à respecter le droit du travail et à payer des cotisations sociales. Au Parlement européen, nous sommes prêts. Nous avons validé notre position depuis 3 mois déjà. Mais au Conseil, ça bloque. Ça bloque parce que certains pays, comme la France, font tout pour torpiller la directive en ajoutant des critères, en multipliant les motifs d'exemption. Ça bloque car la France et les amis d'Emmanuel Macron tentent de vider la directive de sa substance. Alors je me joins à l'appel des chauffeurs Uber et des livreurs de Deliveroo. Mesdames et messieurs les ministres, n'essayez pas de saboter cette directive. Les travailleurs européens s'impatientent. Ils attendent qu'on passe à la phase finale des négociations, qu'elle soit enfin adoptée, cette directive crucial pour l'avenir du salariat. Mesdames et messieurs les ministres, montrez-leur que l'Europe ne roule pas pour Uber, mais pour les travailleurs des plateformes.